comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Dès qu'il y a identification à une forme, il y a un manque. Lorsqu'il y a cessation de l'identification, lorsque le mental revient dans le silence, il y a une absence de manque. Il y a une paix aussi, il n'y a pas de conflit. Est-ce que ce n'est pas cela que tu cherches ? Dans un sens, est-ce que c'est pas rester à la surface ? Dans le sens où, prenons le cas de Stephen Jourdain, lors de son éveil, on peut voir assez souvent que, bon, on peut dire, peut-être qualifiant cet état de reconnaissance nirvikalpa samadhi ou autre en tout cas, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour avoir une vraie reconnaissance d'être dans un état, pour reprendre les mots de Stephen Jourdain, il se disait c'est être sous l'enfant de, c'est se placer sous l'enfant de Dieu. En fait, c'est un état de concentration extrême où, en fait, quand on cherche simplement à revenir à ce jeu, à revenir à cette conscience, si on n'est pas dans un état, on va dire, proche du sommeil, mais éveillé, au final, ce sera toujours qu'une forme de... Ce sera toujours comme rester encore à la surface. Est-ce que pour vraiment toucher cette conscience dans son repos véritable, c'est-à-dire pour final, pour toucher ce dit non-état d'éveil, il ne faut pas aller chercher cette reconnaissance justement dans un état de méditation extrême, ou est-ce que simplement le fait de retourner, même en étant en surface à travers la question, à travers l'investigation du soi, comme qui suis-je ou autre, est-ce que ce léger retour du fait qu'il soit répété finit par, même si au début il est en surface, par atteindre les profondeurs véritables du jeu, parce que on a beau revenir à cette conscience et sentir une certaine forme de paix, il reste qu'il y en a, il y en a certains qui ont eu besoin de 20 ans, 30 ans, ou il y en a même qui n'y sont jamais arrivés, malgré, on peut prendre les cas voilà, d'un Taisen, des Shimaru ou autre, ou même d'un Thich Nhat Hanh, avec tout le respect que j'ai pour le vénérable, je ne reconnais pas quelqu'un qui a touché ça, alors que bah, il est assez souvent resté c'est-à-dire dans des états quand même intéressants, voilà. Mais est-ce qu'il n'est pas finalement resté en surface ? Est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que répéter cette mise en surface est suffisant, ou est-ce qu'il ne faut pas chercher ce jeu plus en profondeur dans un état de relaxation, pour le coup, voilà, extrême ? Mais l'état de relaxation extrême, c'est la quête de jeu. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais, Stephen Jourdain, il parlait d'un simple geste intérieur, de l'attention. Je sais monter à Dieu, il disait. Mais il disait aussi, c'est un simple geste d'attention intérieure. C'est sa subtilité qui en fait ça, qui fait la difficulté. Mais la subtilité, c'est le fait de ne se pas laisser entraîner par le mental dans ce retour. Et d'avoir à la fois un désir de libération extrême, et que ce désir soit animé d'une persévérance dans le retournement ou dans le relâchement de l'attention. Tout ce que ton mental vient de dire, tu l'écartes comme n'étant pas toi. Tout ce que je viens de dire, je l'écarte aussi. Ce que tu viens de dire, ce que je viens de dire, c'est pas... Il n'y a pas une des deux versions qui est plus juste. Nous devons écarter tout ça comme n'étant pas nous. Qu'est-ce qui reste ? Tout ce qu'on a dit, c'est balayé d'un revers de main. Qu'est-ce qui reste ? Reset. Des pensées viennent, une conversation a lieu, des questions se posent, des réponses se font. Neti, neti. Je ne suis ni ceci, ni cela. Effectivement, il faut peut-être
appliquer cette investigation encore et encore, jusqu'à ce qu'on soit capable de se maintenir dans ce non-état. Il n'y a personne qui est capable. Mais à un moment donné, il n'y a juste pas de pensées qui peuvent être crues, parce qu'on se trouve tellement bien, en paix, dans cet espace. Et le mental a été trempé suffisamment dans ce silence qu'il en ressort uniquement pour exprimer des choses pratiques et pour célébrer ce que nous sommes. Donc oui, il faut peut-être pendant un certain temps, plus ou moins long, laisser le mental mariner, mijoter dans le silence, c'est sûr. Mais à chaque fois que quelque chose, une confusion apparaît, l'invitation c'est toujours de voir, pas d'y répondre de façon intellectuelle, mais de se poser la question, qu'est-ce qui connaît cette confusion? Qu'est-ce qui est conscient d'elle? Et donc, en fait, c'est extrêmement simple, puisque c'est la répétition de la même question. Mais ça doit se faire de façon systématique pendant un certain temps. Parce qu'au début, effectivement, pour certaines personnes, le mental a tout de suite envie d'expliquer, d'analyser, de comparer pourquoi on ne se trouve pas dans un état profond, et blablabla, et blablabla, et hop, on est reparti dans le manège, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la question, hop, qu'est-ce qui est conscient de cela ? Frappe à la porte, là. Et à nouveau, hop. Tout est balayé d'un coup. En fait, il ne faut pas trop s'intéresser à l'état des autres. Stephen Jourdain, Deshimaru, Pol Pot, Poutine. Non, tu t'intéresses au soi. Et tu veux revenir à soi, au soi. Tu es ton propre souverain. Il faut simplement que le désir de libération soit plus grand que le désir d'en parler, de comparer ou de se raconter des histoires. Ça oui. Il faut que le désir soit très grand, oui, ça c'est peut-être mystérieux, ce qui fait que on ne veut que ça, tu vois. Est-ce qu'on veut vraiment s'éveiller ou est-ce qu'on veut discuter de l'éveil? C'est pas ça. Regardez dans le chapitre 1 de Nisargadatta qu'on vous avait cité à une date, de Nisargadatta comme étant l'Upanishad du 20e, ouais. Au chapitre 1, s'intéresser aux autres, je ne m'intéresse pas aux autres pour en parler. Je m'intéresse aux autres parce que si on sait comment eux, ils ont fait pour arriver à atteindre ça, et si on comprend certains détails, ça peut éviter parfois des dizaines, des vingtaines ou d'années, si ce n'est pas des vies, avant... Je suis d'accord avec toi, David. Mais tu vois, quand j'ai lu « Je suis la première fois » en 2009, je me suis arrêté très vite à son invitation de revenir à « Je suis ». Et c'est tout. Et en quelques minutes, j'ai été au contact d'une joie incroyable, ineffable, que je reconnaissais. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il suffisait de faire basculer l'attention vers sa propre source. C'est l'essentiel de son message. Tu reviens dans « Je suis », dans ce sentiment d'être, tu te déposes là. Et à un moment donné, même le vocable ou la pensée « je suis » se fond dans un indicible, incomparable. Et ensuite, tu es ouvert, tu as fait ton travail à toi, tu es revenu à la source. Et ensuite, quelque chose va à un moment donné te saisir. Mais on doit d'abord libérer l'espace. Et quand on est au contact de « je suis »,
de cela qu'il connaît, il n'y a pas de place pour d'autres pensées. Il n'y a pas de place pour un désir d'aller plus loin. On est à sa place. Tu restes là. Il y a déjà la paix. Il y a déjà l'absence de manque. Pourquoi vouloir aller ailleurs? Je suis suffit. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle je suis. Enfin, en anglais, ça s'appelle I am that. Je suis l'absolu. C'est ce que lui a dit son maître, Sri Siddharameshwar. Il lui a dit, tu es l'absolu. Et il l'a cru. Donc il faut faire confiance à quelqu'un, à un guide, un maître, quelqu'un que tu sens, et ensuite tu suis sa directive. Quand tu as vraiment confiance, et il faut le premier pas, c'est d'avoir confiance quelque part, sinon... parce que pourquoi est-ce qu'on s'est pris pour quelqu'un? Parce qu'on a fait confiance à nos parents, qui nous ont dit qu'on était quelqu'un. Donc à un moment donné, pour dépasser cette vérité relative et aller vers une vérité transcendante, absolue, il faut croire les indications, avoir confiance, disons pas croire, mais avoir confiance dans quelqu'un qui t'indique le chemin du retour. Et il est très simple. Ça peut être simplement te poser dans la pensée, sensation, je suis, comme nous y invite Nisargadatta, ça peut être ou se poser la question, qu'est-ce qui est conscient de mon expérience? Tout ça, c'est la même chose. Ramana Maharshi dit la même chose dans l'investigation du soi. Tu vois, c'est quand même la même simplicité, même s'il y a des expressions différentes. Et donc, il faut prendre le temps pour faire cette discrimination, pour se déposer déposer le mental dans le silence dont il est issu. Qui
quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce fil de vie jamais interrompu.